אמרתי לעצמי, אם אני עכשיו לא אסיים את זה, אז הבן אדם ירוק פה נשים. אם הייתי נופל, אף אחד לא היה ממשיך. Voici ce que pense Alex Anilevich qui s'est retrouvé face à face avec le terroriste qui a volé l'arme de son collègue. החבר שלי, מיכאל, יש לו מזל. יש לו מזל ענקי, אני מאוד גאה בו, שהוא גם המשיך לדווח למוקד שלנו, אחרי שהוא היה פצוע על הרצפה כבר. Alex, qui pour la première fois revient sur l'attentat, raconte que tout a commencé alors qu'ils entraient dans une échoppe pour acheter une boisson. Mais les images rendues publiques il y a quelques jours ne montrent pas les longues minutes de course-poursuite sous les balles. Alex précise, contrairement à ce que la presse a rapporté, qu'il n'a pas rencontré le terroriste avant l'attaque de vendredi matin, mais surtout il dément avoir achevé au sol Al-Khatib. Les images sur lesquelles vous voyez le terroriste essuyer le tir d'Alex est tombé et ne montrent pas la fin de l'incident. Alex, qui s'est installé en Israël seul à l'âge de 16 ans et a fait son service militaire chez les parachutistes, et à sa mère qui habite toujours en Ukraine, il n'a rien raconté de l'incident. Mais j'ai peur que je me suis dit que j'ai 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 d